Les Médicis, un nom sulfureux, toute une dynastie de marchands et de banquiers qui a régné à Florence au XVe et XVIe siècle, au temps de la Renaissance, et a mis sa richesse au service des arts et des sciences. Mécènes de Léonard de Vinci ou de l'écrivain Dante, on leur doit le Ponte Vecchio et même le Palais du Luxembourg. Une famille d'esthètes qui a compris que sa puissance passait aussi par son image, l'occasion de portraits exposés en ce moment au musée Jacquemart-André à Paris, véritable chef-d'œuvre conçu au départ comme des instruments politiques. Ce ne sont pas des doux, hein. je ne vais pas vous prétendre cela. Les Médicis sont évidemment des gens qui peuvent être violents, ce sont des gens qui utilisent stratagèmes qui ne sont pas toujours découverts de façon à arriver à leur fin. Donc voilà, il y a cette image un peu, curieuse qui tourne autour d'eux. Mais en réalité, il faut aussi dire que pour le fonctionnement même cet état qu'ils mettaient en place, ben, ils ont utilisé des moyens très modernes, hein. Alors, dans la communication, ben, c'est le portrait. En 1498, après l'exécution de Savonarole, la République revient à Florence. Banquiers avisés, les Médicis en profitent pour reconquérir la ville et les cours monétaires européens. Propagande et séduction sont de rigueur et ça passe par l'image. Le portrait assoit la présence médicéenne là où il est présent. Ça veut dire que quand vous mettez dans un palais un portrait du grand-duc Côme de Médicis, ça veut dire que vous êtes sous sa tutelle. Donc, vous le voyez bien, le portrait est un instrument de pouvoir, de propagande. Et de cette façon-là, évidemment, une demande très forte s'exprime auprès des artistes florentins pour qu'ils trouvent les solutions originales qui n'existaient pas jusqu'alors et qui renforcent encore la puissance de ces images. Des tableaux dans lesquels on peut relire l'histoire de Florence. Sobre et stoïque, les premiers portraits mettent en avant les valeurs qui fédèrent la cité, comme l'amitié, avant d'évoluer vers une représentation guerrière du pouvoir et enfin une glorification des arts. Les artistes vont utiliser des attributs, des équivalents, des systèmes allégoriques. Alors on utilise par exemple les textes de Pétrarque, on utilise des symboles bien connus de tous les Florentins. Et de cette façon-là, on comprend à qui on a affaire. S'ils se font représenter en humanistes, c'est qu'au XVIe siècle, les Médicis font partie des principaux acteurs de la Renaissance. Une période où l'on redécouvre la philosophie, les sciences et où des artistes majeurs, comme Dante ou le poète Pétrarque, posent les bases d'une nouvelle identité culturelle. En réponse, les Médicis vont promouvoir justement cette façon de penser. Ce sont des princes humanistes et donc ils vont trouver dans le mécénat en particulier un moyen d'expression qui leur permet de se distinguer des autres. À défaut d'avoir été des personnages tout à fait recommandables, eh bien, quand on a patronné un jeune Raphaël, quand on a patronné un jeune Léonard de Vinci, évidemment, et surtout Michel-Ange, hein, on ne peut pas leur en vouloir, hein, lorsque on voit le résultat qu'ils ont favorisé.